Bonjour, chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai de l'an 2012. Et nous sommes dans la salle de méditation Assemblée des étoiles. Shakyamuni a commencé par la souffrance, par le mal-être. C'est parce que la souffrance est reliée au bonheur. Une compréhension de la souffrance est essentielle pour pouvoir comprendre le bonheur. Donc, la première vérité noble, c'est le mal-être. Mal-être. Et quand on se met en contact avec le mal-être, on écoute en profondeur le mal-être, on va découvrir comment le mal-être est là, comment il s'est installé. Il y a une cause, des racines. Donc, la deuxième noble vérité, c'est la nature du mal-être, les racines du mal-être. Ou bien on peut dire le chemin qui mène au mal-être. Le chemin qui mène au mal-être. Et on peut aussi décrire la deuxième vérité en termes de nourriture. Nous avons déjà appris. Le Bouddha a dit que rien ne peut survivre sans nourriture, le mal-être aussi. C'est parce qu'on continue à alimenter le mal-être, c'est pourquoi il est toujours là. Donc il faut regarder et identifier la source de nourriture du mal-être. Et après cela, on va couper cette source de nourriture et le mal-être va mourir, va Donc, la deuxième vérité peut être décrite comme un chemin et comme une méthode de consommation. Nous sommes dans une société de consommation. Il faut faire très attention. Le mal-être est là, c'est parce que nous ne savons pas comment consommer. Nous sommes ce que nous consommons. Et puis, la troisième vérité, c'est l'espoir, c'est là. C'est le chemin de l'avenir. La cessation du mal-être, c'est-à-dire la transformation du mal-être. Une transformation. Et la cessation du mal-être peut être décrite comme le bien-être. Là, c'est la même chose.
Si le mal-être est décrit comme ténèbres, et quand les ténèbres sont disparues, alors il y a de la lumière. Donc l'absence des ténèbres veut dire la présence de la lumière. La même chose est appliquée avec le mal-être et le bien-être. Si il n'y a plus de mal-être, il y a quelque chose d'autre qui s'appelle le bien-être. Le bien-être aussi doit être alimenté pour qu'il puisse être là. Donc il faut regarder dans le bien-être et voir quelle sorte d'alimentation on a besoin pour pouvoir installer le bien-être. Donc on peut parler du bien-être de la quatrième vérité en termes de nourriture. La nourriture, la consommation qui amène le bien-être. Et classiquement, on dit c'est le chemin menant à la cessation du mal-être, c'est-à-dire au bien-être. C'est simple, les quatre vérités sont simples. Et quand on regarde en profondeur dans une vérité, on voit les trois autres vérités. C'est pourquoi les vérités sont décrites comme nobles. C'est parce qu'avec l'œil de l'inter-être, quand on regarde une des quatre vérités, on voit tous les autres trois. C'est l'inter-être des vérités. Nous avons aussi parlé des huit éléments qui constituent le chemin menant au bien-être. Et nous avons commencé par la vue juste, qui est la vision profonde de l'inter-être. Et avant la vue juste, on a la concentration juste. La concentration fait partie de la méditation. Une méditation qui donne naissance à la vision profonde. Et aujourd'hui, on va parler beaucoup de cette concentration. Et avant la concentration, il y a la pleine conscience. On peut commencer par la pleine conscience, et la pleine conscience est porteuse de la concentration. Et pleine conscience, concentration sont porteuses de la vue juste. C'est très logique. Et puis, avec la vue juste, on peut pratiquer la pensée juste. La parole juste. L'action juste. Et puis, il y a le moyen d'existence. Juste, et enfin la diligence. Juste. On a consacré à peu près une heure pour parler de la diligence juste, vous vous souvenez? L'arrosage sélectif. On arrose les bonnes graines. Donc, ici, c'est le chemin menant au bien-être. On peut commencer par la pleine conscience ou par n'importe quel élément. Mais c'est une description
simple et profond aussi du chemin menant au bien-être. Si on consomme en termes du chemin, alors on va créer le bien-être. On va transformer le mal-être. Donc la deuxième vérité est décrite, peut être décrite comme chemin, la quatrième aussi. Et la quatrième, c'est un chemin noble. Elle est noble, c'est parce qu'il y a de la sainteté dans les éléments qui le constituent. Il y a de la sainteté dans la pleine conscience, dans la concentration, dans la vue juste aussi. Et nous possédons cette nature de sainteté en nous. Et quand nous pratiquons les entraînements à la pleine conscience, il y a l'élément de sainteté en nous qui nous aide à transformer le mal-être pour pouvoir installer le bien-être. Donc le chemin menant au bien-être est qualifié comme chemin noble. L'autre chemin qui mène au mal-être, c'est un chemin aussi, mais on ne peut pas qualifier cela comme noble. Peut-être on dit que c'est un chemin ignoble. Et nous avons aussi parlé des exercices de respiration consciente. Nous avons commencé par 8. Et maintenant, c'est le temps de réviser tout ça. La première respiration, le premier exercice, c'est d'être avec son inspiration et son expiration. Être avec la respiration. L'inspiration. Identifiez votre inspiration, identifiez votre expiration. Et chaque fois qu'on porte son attention vers l'inspiration et l'expiration, on lâche tout, on devient libre tout de suite. Le passé, le futur, le projet, on est libre. Et deuxième exercice, c'est de suivre l'inspiration et l'expiration dans tout son parcours. J'inspire, je suis mon inspiration dans tout son parcours. Je suis vraiment concentré. Et l'exercice va vous procurer plus de concentration. Et plus de plaisir quand vous respirez. Et plus de liberté aussi. Troisième exercice. Reconnaître son corps. J'inspire, je sais que mon corps est là. Connecter, se mettre en contact avec son corps physique. C'est très bien. Et vous avez une chance de prendre soin de votre corps. Les frères, les sœurs au village Pignier, ils ont programmé le son de la cloche dans leur ordinateur. Et chaque 15 minutes, la cloche sonne, on cesse de travailler, on respire et on revient dans son corps et on sourit. C'est bien. Il faut une minute ou deux
Mais ça fait beaucoup de bien. J'inspire, je suis conscient de mon corps. J'expire, je souris à mon corps. Quatrième exercice. Relâchez les tensions, la tension. Relâchez la tension dans le corps. J'inspire, je me détente, je laisse aller le stress et la tension de mon corps. Et puis avec le cinquième exercice, on entre dans le domaine des sensations. Comme on est là, corps et esprit réunis, on peut entrer en contact avec les merveilles de la vie qui sont en nous et autour de nous. Alors on peut très bien générer une sensation de joie. Et être un pratiquant, c'est de pouvoir générer une sensation de joie à n'importe quand et où. Si vous êtes vraiment là, corps, esprit réuni, vous pouvez entrer en contact avec les conditions de bonheur qui sont disponibles dans l'instant présent. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et on peut très bien générer une sensation de joie. Amener une sensation de joie. Et le sixième, c'est amener une sensation de bonheur. Dans le bouddhisme, on distingue une petite différence entre la joie et le bonheur. Quelqu'un qui marche dans le désert, il a soif, mais il n'y a pas d'eau pour lui. Soudain, il réalise qu'il y a un oasis dans le désert. Il va pouvoir boire bientôt, dans une demi-heure. Donc cette sensation, c'est la sensation de joie. Et quand il arrive et se mettre à genoux devant le lac, et continue et commence à boire, c'est le bonheur. La joie et le bonheur, ce sont des choses possibles dans l'instant présent avec la pleine conscience, avec la concentration. Et c'est de la nourriture dont nous avons besoin. Il faut produire la joie. Il faut produire le bonheur pour la consommation. Et en tant que pratiquant, on a le pouvoir de produire de la joie et du bonheur pour soi-même et pour les autres. Septième exercice, c'est reconnaître une sensation douloureuse. Quand une sensation douloureuse se manifeste, on doit être là pour elle. On ne va pas supprimer ou refouler cette sensation. Bonjour, ma petite douleur, je sais que tu es là, je vais prendre bien soin de toi. Reconnaître la douleur telle qu'elle est,
une reconnaissance simple de la douleur. Et huitième exercice, c'est de pouvoir embrasser et calmer la douleur, obtenir un soulagement, calmer la douleur. Le texte Anapanasati Sutta, le sutra de l'inspiration, de l'expiration en pleine conscience, date déjà de 1600 ans. Et c'est très méthodique, scientifique. Tout d'abord, on commence avec le corps. Et on passe à la sensation. On prend soin du corps et ensuite de la sensation. Et en tant que pratiquant, on doit être capable de reconnaître la douleur et de calmer la douleur avec la pratique de la respiration, de la marche, de l'assise, de la relaxation, etc. On doit maîtriser, on doit apprendre cela de la Sangha. Et les enseignants du Dharma doivent maîtriser les méthodes pour pouvoir partager aux autres membres de la Sangha. Il faut toujours chercher à améliorer sa pratique. Le corps spirituel doit grandir chaque jour. Maintenant, on passe à l'esprit. Les quatre premiers exercices, c'est pour prendre soin de son corps. Les quatre exercices suivants, c'est pour prendre soin de ses sensations. Et les quatre qui suivent, c'est pour prendre soin de notre esprit. Notre esprit, notre mental, est fait par des gouttes, c'est une rivière. Elle est faite par la présence des formations mentales. Vous avez une feuille, une liste des formations mentales. Et chaque fois qu'une formation mentale se manifeste du tréfonds au mental, on doit être capable de la reconnaître et de l'appeler par son nom correct. Si c'est de la colère, on dit c'est de la colère. Une reconnaissance simple de chaque formation mentale qui se manifeste. Identifier ou bien reconnaître la formation mentale ou bien l'esprit. Les formations mentales sont comme les gouttes d'eau et le mental c'est comme la rivière. Ce sont la même chose. Donc, vous êtes là, assis au bord de la rivière des formations mentales, et vous regardez, vous identifiez chaque formation mentale quand elle naît, quand elle est là, et quand elle se retire. Et le dixième exercice, c'est pour réjouir l'esprit.
Il ne faut pas laisser le mental d'être envahi par les formations mentales négatives comme la colère, le désespoir. Le paysage du mental ne sera pas beau. Donc, réjouir l'esprit, c'est-à-dire faire tout pour pouvoir inviter les bonnes graines à se manifester en vous, pour vous donner de la joie, du bonheur, etc. Et nous avons appris cela hier déjà, l'arrosage collectif. Changer les disques. C'est cela à faire avec la diligence juste. Donc, la respiration consciente, c'est aussi pour rendre le paysage de l'esprit joyeux, agréable, par la pratique de l'arrosage intelligent, c'est-à-dire créer du bonheur pour soi et pour l'autre personne. Onzième exercice, c'est concentrer la concentration de l'esprit. C'est parce que quand on reconnaît une sensation douloureuse et que l'on tâche d'embrasser cette sensation avec beaucoup d'adresse, on peut la calmer. On peut faire parvenir un soulagement. Mais ce n'est pas assez. On peut aller plus loin. C'est avec la concentration qu'on peut se diriger dans la nature de cette douleur, de cette souffrance, afin de pouvoir comprendre. Et cette compréhension va nous libérer de cette douleur, de cette souffrance. C'est parce que cette concentration va pouvoir faire parvenir une compréhension profonde, une vue juste. Et cette compréhension profonde va nous libérer de la douleur. Ici, si on parle de la libération plutôt que du salut. Le salut par la sagesse et non pas par la grâce. Mais si vous êtes d'origine chrétienne, vous pouvez comprendre que la grâce, la sagesse, la vision profonde est une sorte de grâce, la plus grande. Donc, la concentration peut faire une percée. Peut faire une percée dans la nature de la douleur. Pour que la vue juste, la vision de l'intérêt puisse se manifester. Avec cette sagesse-là, cet éveil-là, on va pouvoir se libérer, concentrer l'esprit et ensuite libérer l'esprit. Voilà les quatre exercices pour prendre soin de son esprit. Tout d'abord, reconnaître les formations mentales et ensuite arroser les bonnes graines pour que ça donne de la joie, du bonheur. Et puis concentrer sur la douleur afin de pouvoir accéder à la connaissance qui nous libère. Et puis les quatre derniers exercices se concentrent sur
la pratique de concentration. Dans le bouddhisme, il y a plusieurs sortes de pratiques de concentration. C'est la concentration qui vous libère et non pas une notion. Un savoir intellectuel. Parce que on peut très bien accepter la vérité de l'impermanence, de l'inter-être. Mais seulement c'est l'intellect qui accepte. Mais tout le reste de notre être n'a pas accepté. On sait que l'autre personne est impermanente. Elle va mourir un jour. Mais on continue à se comporter comme si elle sera là. Toujours et toujours. Donc l'idée de l'impermanence, ça n'aide pas beaucoup. Il faut une concentration sur l'impermanence. Il faut entretenir cette concentration vivante pour pouvoir accéder à la vision profonde. La notion de l'impermanence, ça aide un peu. La notion de l'inter-être, ça aide un peu. La notion de non-naissance et de non-mort, ça aide un peu. Mais ce n'est pas assez. Il faut garder vivante cette vision profonde dans la vie quotidienne. Chaque fois que vous regardez quelque chose, comme un nuage, ou bien un orangé, hein, un verre d'eau, il faut voir la nature de l'impermanence. Il faut voir la nature de l'inter-être dans le nuage, dans le verre d'eau, etc. Donc il faut maintenir la concentration vivante. Et vous n'avez pas à demeurer dans la position assise pour le faire. Quand vous conduisez la voiture, vous pouvez vous concentrer aussi. Ce qui se passe en vous, autour de vous, sont impermanentes, sont interrelié. Donc vous êtes en contact avec l'inter-être, avec l'impermanence, avec le non-soi. Et le 13e nous offre la concentration dite impermanence. Contempler l'impermanence. Et contempler en tant que concentration. Supposons que nous en je suis fâché contre mon bien-aimé. Et je veux dire quelque chose pour le punir. Et la vision de l'impermanence peut m'être. Au lieu de dire quelque chose pour punir cette personne, au lieu de faire quelque chose pour la rendre malheureuse, c'est parce que nous pensons que si on peut rendre cette personne malheureuse, on peut avoir un soulagement. C'est bête, mais la plupart de nous font comme ça. Donc, la prochaine fois, quand vous êtes en colère, vous êtes fâché contre lui, contre elle, essayez cette méthode. Fermez vos yeux. Faire une inspiration. Et visualisez votre bien-aimé. Qu'est-ce qu'elle va devenir dans 300 ans? J'inspire. Je me vois 300 ans après. Qu'est-ce que je serai? Descendre. Et il suffit de quelques secondes pour toucher la nature de l'impermanence. C'est une concentration. Ce n'est pas une idée. Et si vous touchez l'impermanence de votre bien-aimé, alors vous allez estimer
Vous allez chérir sa présence. Comme je suis bête, elle est encore là, vivant devant moi, et je suis fâché contre elle, qu'elle sottise. Cela se fait pendant en 2 secondes, 3 secondes, avec la méditation sur l'impermanence. Et quand vous ouvrez les yeux, vos yeux, la seule chose que vous voulez faire, c'est la prendre dans vos bras et faire de la méditation de l'étreinte. J'inspire, je suis que mon bien-aimé est encore vivant. J'expire, je suis très heureux. Donc, le 13e, c'est pour contempler l'impermanence. Le 14e, c'est contemplation, la contemplation du... de la non-cupidité. La soif, le désir, l'avidité. Il y a des objets de notre désir, comme la renommée, comme le pouvoir, politique ou autre. Comme la richesse, l'argent, comme les plaisirs sensuels. Alors, quand on court après ces objets de cupidité, on se perd. Ici, on doit regarder en face l'objet de notre désir, pour pouvoir voir dans sa nature. Et nous sommes au courant du fait que notre manas cherche toujours le plaisir, mais il ignore les dangers du plaisir. Comme un poisson, au moment où le poisson veut mordre, elle réalise qu'il y a un hameçon dans la part, donc elle est libre. Donc quand on contemple l'objet de son désir et si on voit le danger qui est là, alors on peut être libre de l'objet de la cupidité, on est libre. On sait que le bonheur est possible avec la compréhension, l'amour, la compassion. Et beaucoup de gens ont souffert énormément à cause du fait qu'ils courent toujours après ces objets de désir. Le 15e, c'est la contemplation du rafraîchissement. C'est-à-dire, il y a le feu de désir, le feu de la colère, le feu de l'illusion, le feu du désespoir qui nous brûle jour et nuit. Les afflictions. Et on veut éteindre le feu qui nous brûle. Et le mot nirvana, ça veut dire l'extinction du feu. L'extinction du feu. Donc, le nirvana peut être. Le mot nirvana peut être traduit par refroidissement, l'extinction du feu. Rafraîchissement. Au matin, dans la campagne, on se sert de la paille, des branches pour cuisiner. Et le matin, quand on touche
il y a la fraîcheur, c'est parce que le feu est déjà éteint. On ne risque pas plus de brûler ses doigts. Donc le mot nirvana vient du vocabulaire de la campagne, l'extinction du feu. Et le feu ici, utilisé dans le monde spirituel, c'est le feu des afflictions, la colère, le désespoir, la jalousie. Ce sont le feu qui nous brûle tout le temps. Alors, nirvana, c'est l'extinction du feu. Cooling the flames. C'est la signification authentique du mot nirvana. Nirvana, ce n'est pas un lieu, un pays. Nirvana, c'est l'état de l'extinction de la souffrance, du feu qui nous brûle. Donc, le 15e, c'est contempler l'extinction. Le refroidissement. Et le 16e, dernier exercice de la respiration consciente, c'est la contemplation du lâcher-prise. Letting go, release. Lâcher prise ici, c'est le lâcher prise des notions. Des notions comme naissance, mort, être, non-être, la même chose, une chose différente, la venue, le départ, etc. C'est-à-dire la discrimination. Et c'est à cause du fait que l'on peut lâcher prise de ces notions, on peut avoir l'accès à la vue juste, c'est-à-dire la vision profonde de l'inter-être. C'est l'élément de base pour la libération. C'est parce que ces notions-là nous rendent malheureux et ça crée beaucoup de souffrances, les notions comme la notion de naissance, de mort, etc. Donc on retourne toujours à la vue juste. L'autre jour, on a déjà contemplé le temps comme ligne droite qui va de la gauche à la droite. Et nous avons supposé qu'il y a un moment où nous pouvons appeler la naissance. Et un moment, c'est parce que la naissance est là, quelque chose d'autre doit être là, c'est la mort. Et dans notre manière de penser, qui n'est pas juste, qui n'est pas de la pensée juste, on pense qu'il y a de la naissance et de la mort. Et la naissance et la mort entraînent l'idée de l'être et du non-être. Je commence à être ici, jusqu'ici. Et quand j'arrive au point M, je cesse d'être. Et je passe au non-être. Et avant de naître, j'appartiens au non-être. Donc c'est une autre manière de penser. Il y a cette vérité appelée vérité conventionnelle. C'est pourquoi chacun, chacune de nous a besoin d'une
d'acte de naissance. Je certifie que cette personne est née à quelle heure, quel jour. Donc, on a besoin de cette vérité. Mais il y a une vérité plus profonde. Ce n'est plus la vérité conventionnelle. C'est la vérité absolue, intime. Et quand on regarde en profondeur, on peut toucher la vérité intime. Et dans cette vérité, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. C'est une apparence seulement. Quand nous disons naissance, nous pensons que quelque chose qui vient du non-être et qui passe maintenant à l'être. Il va être là pendant quelques instants et va passer au non-être plus tard. C'est notre manière de penser. C'est correct en ce qui concerne la vérité conventionnelle, mais ce n'est pas correct au point de vue de vérité intime. Et même les hommes de science peuvent aussi toucher cette vérité intime, c'est pourquoi Lavoisier a dit « rien ne se crée, rien ne se perd, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort ». Mais Lavoisier n'a pas pratiqué la concentration. Il n'a pas pu entretenir, préserver cette vision profonde pendant la vie quotidienne. C'est pourquoi quand il est exécuté par la guillotine, je pense qu'il a souffert. Donc cette déclaration l'illumine, mais comme il ne sait pas comment nourrir cette concentration pendant toute la journée, alors il souffre de la mort aussi. Quand il sait avec son intellect que rien ne meurt. C'est impossible pour un nuage de mourir. Mourir, c'est de passer de l'être au non-être. Donc, une notion, ce n'est pas assez. Faire une déclaration, ce n'est pas assez. Donc, les hommes, les femmes de science ont trouvé la vérité. Mais la vérité trouvée, ils ont pu appliquer seulement dans la technologie et non pas dans la vie quotidienne, dans la vie spirituelle. Alors les hommes de science aussi doivent appliquer ce qu'ils ont trouvé dans la vie affective, etc. Nous aurons une retraite de 21 jours pour les hommes et les femmes de science. Et nous allons discuter, nous allons pratiquer ensemble la concentration. Donc, une notion, même une notion correcte, qui exprime la vie juste, n'est pas assez pour nous secourir. Il faut une concentration. Il faut vivre la vision profonde dans chaque jour. Pour être vraiment libre de la peur de non-être. C'est parce que c'est impossible pour nous de mourir comme un nuage. Il y a un chemin qui nous mène de la vérité conventionnelle à la vérité intime. Dans la vérité intime, on parle de la non-naissance et de la mort. Mais on peut commencer par l'idée de naissance et de mort. Même si la naissance n'existe pas, même si la mort n'existe pas. Comme l'idée de gauche et de droite. Mmh.
la gauche et la droite intersont. C'est parce que la droite est là, c'est pourquoi la gauche peut être là. C'est à cause de l'existence de la gauche que la droite peut exister. Donc tout intersont. Donc la souffrance et le bonheur sont aussi en inter-être. La vie et la mort aussi. Il n'y a pas de vie sans mort. Il n'y a pas de mort sans vie. Et on peut commencer par cela. Par exemple, quelqu'un veut prendre la gauche de cette feuille pour aller à Bordeaux. Et la droite reste ici pour être amenée à Marseille. Ce n'est pas possible. La gauche va toujours avec la droite. Et le bonheur va toujours avec la souffrance. Et la naissance va toujours avec la mort. Quand les biologistes regardent dans le corps, ils savent que la naissance et la mort arrivent à chaque moment. À chaque moment, à ce moment même, il y a des cellules dans mon corps qui meurent. Il y a d'autres qui sont nés. La naissance des cellules et la mort des cellules prend place à chaque moment. Et c'est la vérité. Et nous pensons que maintenant c'est seulement la vie, la mort c'est beaucoup plus tard. Ce n'est pas vrai. Nous expérimentions la mort à chaque moment. Il y a des milliers de cellules qui meurent chaque moment. Et nous n'avons pas assez de temps pour faire les funérailles, organiser les funérailles. On n'a pas le temps de faire ça. Il y a des milliers de nouvelles cellules qui sont nées, on n'a pas le temps de célébrer leur naissance. Donc la naissance et la mort est maintenant. S'il y a la naissance, il y a la mort. Sans la mort, il n'y a pas de naissance. Et sans naissance, il n'y a pas de mort. Les deux, ce sont les deux aspects de la même chose. Donc, là où il y a la mort, il y a la naissance. La mort du Nyas, ça veut dire la naissance de la pluie. N'est-ce pas? Pourquoi avoir peur? C'est parce que vous ne pouvez jamais mourir. Peut-être la mort, c'est une occasion de renaître plus beau. Il faut méditer sur cela. Il faut garder cette concentration vivante dans chaque jour. Alors on peut sourire à la mort. La mort est aussi belle que la vie. C'est parce qu'elle est partie, elle fait partie de la vie. Et sourire à la vie et sourire à la mort, c'est une chose possible pour un pratiquant qui voit que naissance et mort sont avant tout des notions. Et dans la réalité intime, il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de mort. C'est toucher le nirvana. C'est relâcher les notions de naissance et de mort. Très important. C'est le 16e exercice. Lâcher prise. Lâcher prise de quoi? Des notions. Avant tout, la notion de naissance et de mort. Et quand la notion de naissance et de mort sont enlevées, la notion de l'être et du non-être sont enlevées en même temps. C'est parce qu'elles sont en fonction des autres notions. C'est parce qu'on a défini naissance comme
le passage du non-être à l'être, n'est-ce pas? Donc si on enlève la naissance, on enlève la limite entre être et non-être. Donc être et non-être, ce ne sont que des notions. La vérité ultime transcende l'idée d'être et de non-être. C'est pourquoi ce n'est pas bon de dire que Dieu est la fondation de l'être. Si Dieu est la fondation de l'être, qui sera la fondation du non-être? Dieu est plus grand que l'être, n'est-ce pas? Alors si on est pris par la notion de l'être et de non-être, on ne peut pas entrer en contact avec Dieu, l'ultime. Dieu est libre de ces notions-là. Être et bien-être, commencement et fin. Donc on enlève, on lâche prise de la notion de naissance et de mort, et aussi de la notion être et du non-être. Dans cette lumière, être et non-être, ou non-être, ce n'est plus la question. Aussi, on n'est pas venu du non-être à l'être. C'est pourquoi on est libre aussi de la notion du venu et du départ. Faisons ensemble une petite méditation sur l'être et le non-être. Maintenant, je pense à la flamme. Et je peux déjà commencer à parler à cette flamme. Est-ce que vous pensez que la flamme appartient au non-être? Maintenant. Non, elle est déjà dans ces conditions. Les conditions sont suffisantes pour que la flamme puisse se manifester. Et nous savons très bien que la flamme est cachée dans la boîte d'allumettes. On peut dire que, ma chère petite flamme, nous savons que tu es là. Il faut que tu te manifestes pour nous. On peut déjà parler à elle. Elle n'appartient pas au domaine du monde non-être. Et nous savons qu'elle se cache aussi hors de la boîte. C'est parce que l'oxygène est essentiel pour son apparition, n'est-ce pas? Sans l'oxygène, elle ne peut pas se manifester. Elle a besoin des conditions pour se manifester comme la fleur ou comme nous tous. Donc nous pouvons dire, ma chère petite flamme, nous savons que tu es là, quelque part, dans la boîte et hors de la boîte. Pourquoi ne pas te manifester pour nous? Et puis, on peut entendre la réponse. Cher Thay, cher Sangha, c'est bien que je suis là. Je n'appartiens pas au domaine du non-être. Je suis déjà dans les conditions. Les conditions sont suffisantes. Il me suffit, si vous pouvez me procurer d'une dernière condition, alors je me manifeste. Un geste de vos doigts. Donc le mot manifestation est beaucoup mieux que le mot naissance. Avant la manifestation et après la manifestation. Et la fin de la manifestation.
Donc on voit que même la flamme est libre de la naissance et de la mort. Elle est libre de l'être et du non-être. Et quand on demande à la flamme, petite flamme chérie, d'où viens-tu? Quelle est ton origine? C'est une question philosophique. D'où vient l'univers? D'où vient le cosmos? D'où viens-je? Et la réponse est claire. Cher Thay, cher Sangha, je suis venu de nulle part. Il n'y a pas de venue. Je ne suis pas venu du sud, ni du nord, ni de l'est, ni de l'ouest. C'est vrai. Quand les conditions sont suffisantes, je me manifeste simplement. Donc je suis libre de la venue. Je n'ai pas passé du non-être à l'être. Je me manifeste tout simplement quand les conditions sont suffisantes. Chérie flamme, où es-tu allé? Cher Thay, cher Sangha, je me suis allé nulle part. Je ne me suis pas allé dans le sud, nord, dans le nord, ou dans le nord, dans l'est ou dans l'ouest. Quand les conditions ne sont plus suffisantes, j'arrête ma manifestation pour manifester plus tard. Et c'est vrai, il n'y a pas de venue, il n'y a pas de départ. La nature de la flamme est non locale. La non-localité, c'est une expression de la science moderne. Donc, avec cela, on peut enlever la notion de venue et du départ. Et maintenant, il y a un autre couple. C'est identification. Et différenciation. On va inviter la flamme de se manifester encore. On a besoin d'elle pour la méditation. Ce n'est pas une essence, c'est une manifestation. Chérie, tu n'es pas une création, tu es une merveilleuse manifestation. Et puis, de cette flamme, on peut avoir une seconde flamme. On va demander à cette flamme, ma chère petite flamme, est-ce que tu es la même flamme avec l'autre, ou es-tu une différente flamme? C'est la bonne question. Vous avez peut-être gardé votre photographe quand vous aviez 5 ans. Et si vous vous regardez dans cette photo-là, vous pouvez demander à l'enfant de 5 ans, est-ce que je suis la même chose avec toi, ou est-ce que je suis une personne différente? Je suis si différente de toi, en taille comme en
en sensation, en perception, en formation mentale. Est-ce que je suis identique à toi ou bien je suis une différente personne? Il y a une grande différence entre l'enfant de 5 ans et vous maintenant. Et la réponse est la même. Je ne suis pas la même personne avec l'enfant. C'est parce que j'ai beaucoup changé. Mais je ne suis pas une personne entièrement différente non plus. Il y a une continuation. Il n'y a pas de différenciation. Quand je me regarde dans mon corps, je vois que je suis la continuation de mon papa. Et je peux parler à mon papa. Papa, je suis là. Et tu es encore là avec moi. Nous sommes en courant. Tu es encore vivant en moi. Alors, entre le Fils et le Père, il y a cette vérité. Le Fils n'est pas exactement le Père, mais il n'est pas une personne entièrement différente. C'est parce que le Fils est dans le Père et le Père est dans le Fils. Si vous êtes chrétien, vous pouvez apprendre cela, l'inter-être dans l'Évangile. Dans Jean, il a dit, un jour, tu verras que je suis dans le Père, et tu es en moi, et je suis en toi. C'est l'inter-être. Donc, quand le nuage regarde et voit la pluie qui s'est transformée à partir du nuage, une demi-partie du nuage peut déjà se transformer en pluie et le nuage peut regarder la pluie et se reconnaître. Est-ce que le nuage est la même chose avec la pluie? Où le nuage est une chose parfaitement différente, non. Donc, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas une chose différente, c'est la vérité. Et si on peut relâcher ces notions-là, on est libre. On est libre de la peur. La peur de l'être, la peur du non-être. La personne qui se suicide a peur de l'être. La personne qui a peur de la mort, elle a peur du non-être. Mais la vérité transcende et l'être et le non-être. Et c'est le lâcher-prise. Il faut laisser aller toutes ces notions qui sont à la base de notre peur, de notre souffrance, de notre discrimination. C'est la méditation profonde dans le bouddhisme. Donc quand on se regarde le corps, on voit que ce corps n'est pas tout. L'homme est la somme de ses actes, Jean-Paul Sartre a dit. Nous avons produit des pensées. Nous avons produit de la parole et des actes. Et tout cela est encore là, sont encore là. Et ils sont notre continuation. Ce corps, c'est une partie minime de moi, de vous. Si vous pensez que je suis ce corps, vous avez tort. Alors on doit s'entraîner à regarder soi-même. On se voit dans le cosmos. On se voit dans ses enfants, on se voit dans tout ce que l'on fait. C'est parce que toutes les pensées que vous avez produites portent votre signature. Tout ce que vous dites, vous avez dit, porte votre signature. C'est votre continuation. Elle se présentera dans le futur comme présente. Rien ne se perd.
Alors, quand on se regarde le corps, on dit que ce corps n'est pas tout. Une petite partie. C'est comme le thé, j'ai versé de l'eau bouillante dans la théière et je verse. Et maintenant, il n'y a plus rien. Et vous pensez que le thé est encore dans la théière, c'est vrai, c'est pas vrai. La partie la plus précieuse du thé est entrée en moi et est devenue un enseignement du Dharma. Donc, ne pensez pas que le thé est dans la théière. Le thé est en nous et en vous. C'est parce que le Dharma est la continuation du thé. Et votre connaissance du Dharma, votre joie, est aussi une continuation du thé. Alors, avec la sagesse de la non-apparence, on se voit partout, dans le passé, dans le présent et le futur. Il y a une pratique de concentration qui est disponible dans toutes les écoles du bouddhisme. Il y a des dizaines, des centaines de méthodes de concentration. Mais il y a trois sortes de concentration qui sont présentes dans chaque école du bouddhisme. Et s'appellent les trois portes de libération. Et la première porte, c'est la vacuité, le vide. C'est l'absence d'une existence séparée. On a déjà médité sur la fleur. On dit que la fleur est pleine du cosmos. Tout est dans la fleur. Tout le cosmos a conspiré pour faire apparaître la fleur. La fleur est pleine de tout. Sauf une chose, une existence séparée. Elle est pleine du cosmos, mais elle est vide d'une existence séparée. La fleur ne peut pas exister par elle-même, elle doit coexister avec tout le cosmos. Sa nature est la nature de l'inter-être. Donc, la fleur est pleine, mais elle est vide. Elle est pleine de tout, elle est vide d'un moi séparé, une existence séparée. Et nous sommes des fleurs, nous contenons le cosmos. Nous sommes tout, mais nous n'avons pas d'existence séparée, nous n'avons pas de soi séparé. Nous sommes un courant, nous sommes une continuation. Et quand nous nous regardons en profondeur, nous voyons et ancêtres, et parents, et culture, et tout. Mais il n'y a pas d'existence séparée. C'est la vision du non-soi. Et c'est ce que Lavoisier n'a pas dit. Il a dit, pas de naissance, pas de mort, tout se transforme, tout est impermanent. C'est pourquoi j'ai proposé une dernière partie. Rien n'a d'existence propre. Tout doit inter-être avec tout. Et c'est le vide. La contemplation du vide peut nous libérer. La deuxième porte de libération, c'est la contemplation de la non-apparence.
vos dons. Donc, quand on regarde la pluie, on sait que la pluie n'est pas un nuage, n'a pas de forme de nuage, mais la pluie est une continuation du nuage. On peut voir le nuage dans la pluie. Donc, c'est la vision, l'intelligence, la constatation sur la non-apparence. On n'a pas besoin d'une apparence pour reconnaître quelque chose. C'est pourquoi j'ai écrit en calligraphie « Souriez au nuage dans votre thé ». Dans votre thé, il y a un nuage. Il n'a pas d'apparence de nuage, mais le nuage est bien là. Donc si on peut regarder avec l'esprit de non-apparence, on n'a plus peur. Rien ne peut rien ne se crée et rien ne se perd. Vous êtes bien installé dans le nirvana, non naissance, non mort, non être, non être. Quand une vague est au courant du fait qu'elle est haute, elle perd toutes sortes de peurs. Elle n'a plus peur du commencement, de la fin, de la montée, de la naissance, de l'être et du non-être. C'est parce qu'elle sait qu'elle est l'eau déjà. Elle n'a pas à courir pour chercher l'eau, parce qu'elle est l'eau maintenant. Alors, on ne court pas chercher le nirvana. C'est parce que notre vraie nature, c'est la nature de la non-naissance, non-mort, non-être, non-être. On est bien installé dans le bien-être, dans le nirvana, dans l'absence de la douleur, des afflictions. Et puis, la troisième porte de libération, c'est la porte de la non-poursuite. Botin ou Vongyang, c'est la même chose. C'est parce que la vague a réalisé qu'elle est l'eau dans le moment présent. C'est pourquoi elle n'a plus à chercher de l'eau. La même chose est vraie avec nous. Nous n'avons pas à aller chercher le royaume de Dieu. Nous n'avons pas à aller chercher le nirvana. Tout est déjà là. Le bonheur est possible, ici et maintenant. On n'a plus à chercher. C'est la porte de la non-poursuite. Cela permet à l'arrêt de se réaliser ici et maintenant. Il faut arrêter la course. Vous êtes déjà ce que vous voulez devenir. Tout est là. Si vous voulez de la pleine conscience, si vous voulez l'éveil, si vous voulez le bonheur et la joie, ces choses-là sont possibles dans l'instant même. Avec la pleine conscience, avec la concentration, on rend tout possible dans l'instant présent. On n'a plus à courir. Nous avons couru toute notre vie.
Et c'est seulement avec cette porte que l'on puisse vraiment s'arrêter. L'arrêt, c'est une chose magnifique. Et on a la paix. On ne cherche plus. Au temps du Bouddha, il y a un pratiquant laïc qui s'appelle Anathapindika. Il avait une famille. Et ils avaient beaucoup de bonheur avec la pratique. Ils ont servi le Bouddha, le Dharma et la Sangha. L'homme est un homme d'affaires. Il est très riche, mais il a un bon cœur. Il a aidé les pauvres dans sa région et toute la population de Shravasti l'aimait. Et c'est pourquoi le nom Anathapindika a été donné à lui par la population. Celui qui s'occupe des pauvres, des destitués. Il était un disciple du Bouddha. Il a offert à Bouddha un parc qu'il avait acheté d'un prince. Et cela a servi comme centre de retraite pour le Bouddha et beaucoup de moines. Un jour, le Bouddha apprend que Anathapindika va mourir. Et il a désigné le vénérable Sariputra d'aller s'informer auprès du laïc pour pouvoir l'aider à mourir paisiblement et avec joie. Un jour, Sariputra a appris que le pratiquant Anathapindika est sur le point de mourir. Il a demandé à son jeune frère, le Dharma, le vénérable Ananda, de venir avec lui pour aider Anathapindika. Quand ils sont arrivés, Anathapindika était déjà très faible. Il essaya de s'asseoir, mais il n'a pas pu faire cela. Sariputra a dit, cher ami, ne bougez pas, restez là, nous allons chercher quelques chaises et nous allons parler avec vous. Et quand les moines sont assis, installés, Sariputra commence avec cette question, cher ami, comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que la douleur est atténuée ou bien la douleur est augmentée? Et Anathapindika a dit ceci, cher vénérable, il ne me semble pas que la douleur est atténuée, il augmente toujours. Après avoir entendu cela, Sariputra a dit ceci, dans ce cas, pratiquons ensemble une méditation guidée. Et l'objet de la méditation sera les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Sariputra est un moine très intelligent. Il sait qu'il y a des semences, des bonnes semences. Dans Anathapindika, c'est parce que pendant une trentaine d'années, Anathapindika
a pris beaucoup de plaisir servant le Bouddha, le Dhamma et la Sangha. Donc, parlant de les trois joyaux, ça va arroser les bonnes graines dans cette personne laïque. Et 15 minutes après, Anathalbika a déjà pu sourire. Et la douleur atténuée. Et Sariputra continue avec la méditation guidée. Maintenant, pratiquons ensemble. On respire. Ce corps contient de l'air. Ce corps contient de la terre. Ce corps contient de la chaleur. Ce corps contient de l'eau. Il y a de la terre hors du corps. Il y a de l'eau hors du corps. Il y a de la chaleur hors du corps. Il y a aussi l'eau hors du corps. Ce corps n'est pas moi. Je suis beaucoup plus important que ce corps. Ce corps n'est venu de nulle part. Il n'ira nulle part. Quand les conditions sont suffisantes, ce corps se manifeste. Et quand les conditions ne sont plus suffisantes, ce corps cesse la manifestation. Je n'irai nulle part. Ce que je fais me continue. Et la méditation continue dans les termes de non-naissance. Non mort, non venu, non départ. Et soudain, le vénérable Ananda remarque qu'il y a des larmes dans les yeux de Apat Anatta Penika. Il a demandé ceci, cher ami, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu regrettes encore quelque chose? Non, cher vénérable, je ne regrette rien. Et pourquoi tu pleures? Est-ce que la méditation n'a pas été un succès? Non, vénérable Ananda, j'ai très bien fait la méditation. Et pourquoi tu pleures donc? Je pleure, c'est parce que je suis trop ému. J'ai servi le Bouddha et la Sangha pendant une trentaine d'années, mais je n'ai jamais reçu un tel enseignement, une telle pratique. Je suis libre maintenant. Je n'ai plus peur de rien. Ananda a dit, cher ami, vous ne savez pas, cette sorte d'enseignement, nous, monastiques, nous recevons presque chaque jour. Anatta Pindika a dit, cher vénérable Ananda, veuillez retourner au monastère et dire à notre maître vénéré qu'il y a des personnes laïques qui sont trop occupées pour recevoir et pratiquer cet enseignement. Mais il y a d'autres, comme moi-même, nous sommes dans la situation de pouvoir recevoir un tel enseignement et mettre en pratique. Sauf, veuillez dispenser cette sorte d'enseignement aux laïcs aussi. Et c'est la dernière requête de Anatta Bhikkha pour le Bouddha. Ananda a dit oui, je vais retourner au monastère et dire à notre maître que les laïcs peuvent eux aussi recevoir l'enseignement sur la non-naissance, la non-mort, le non-être, la non-non-être. Et après cela, Anatta Nipika a mouru d'une manière très paisible, avec un sourire aux lèvres. L'histoire est une histoire vraie, relatée dans un sutra
appelé enseignement donné aux mourantes. Et c'est disponible dans le livre de chant du village de Pligny. Vous pouvez relire et étudier. Et si vous pratiquez bien, alors vous pouvez accompagner quelqu'un qui meurt. Et vous pouvez aider cette personne-là à mourir d'une manière paisible. Chers amis, nous devons arrêter maintenant. Nous avons eu la chance d'être ensemble pendant une semaine tout entière, arroser les bonnes graines. Alors il faut continuer. Il faut essayer de bâtir une sangha. Il faut continuer l'étude et la pratique. Je demande au monastique de venir pour chanter une chanson. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne continuation. Et à la prochaine.